assises de Rome seront scrupuleusement observées, telles qu'ils le sont dans mes royaumes. Attendons l'arrivée des patriarches de Byzance. Ce sont des juristes remarquables. Il n'y a aucune raison d'attendre si longtemps. L'église d'Orient doit être présente au procès. Il serait séant de patienter un jour ou deux. Je ne pense pas que les patriarches de l'église d'Orient seront ici avant plusieurs années, voire des décennies. Peut-être jamais. La flotte de Byzance retourne à Byzance. Elle s'éloigne de Rome. Elle a rebroussé chemin sur ton ordre, Pascalis. Mais c'est faux ! C'est faux ! Je n'ai jamais donné un tel ordre ! La flotte de Vigny. Qu'est-ce qui se passe, au juge ? Regarde ce que vous faites. Je ne sais pas ce qui se passe. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cet ordre cardinal Vitale ? Oui, je viens de recevoir un message officiel de la part du commandant de la flotte. En réponse au message envoyé par le ministre Pascalis, les navires retournent à Byzance. Mais pourquoi vous avez fait ça ? De quel droit vous avez fait ça ? Sa sainteté va maintenant devant vous et devant Dieu qui le juge, prêtez le serment d'innocence. Le purgatio per sacramentum. Un serment que nul homme au monde ne peut réfuter. Les prédécesseurs du pape qui ont invoqué le serment d'innocence ont dû le faire de vive voix. Nous vous écoutons. Sa sainteté suivra donc l'exemple de ses révérés prédécesseurs et se lavera de toutes les accusations que vous avez formulées contre elle. C'est le moment de supplier le Seigneur afin qu'il daigne intervenir. Votre sainteté. Moi, Léon, par la volonté de Dieu au plus haut des cieux, en qualité de pontife de la Sainte Église romaine, que nul n'a jamais jugé ni contraint, je m'absous en votre présence et devant le Seigneur, qui voit et sait toutes choses ici-bas. Je jure de n'avoir commis aucun des crimes dont je suis accusé, ni inciter quiconque à proférer ses médisances. J'en témoigne devant Dieu et devant les hommes, et m'en remets à l'infinie sagesse de l'Éternel, qui nous observe en toutes circonstances et qui nous jugera. On a monté contre ma personne une parodie de justice contre la volonté du Tout-Puissant. Seul le plus grand roi de la chrétienté m'a reconnu innocent et m'a soutenu. Je jure sur ma foi et je prête serment. Amen. Amen. Longue vie au pape Léon! Longue vie au pape Léon! Nous avons un autre procès à faire. Celui des accusateurs, des traîtres odieux qui se jouent des dogmes. Faisons-leur payer sans attendre le prix de leur corruption. On les arrête.